La chapelle Sainte-Ursule, plus connue sous le nom de chapelle de la Sorbonne, date du XVIIe siècle, ce qui en fait le bâtiment le plus ancien de la Sorbonne. Sa première pierre a été posée par Richelieu et construite par l'architecte Le Mercier. Construite en forme de croix grecque, la chapelle domine la place de la Sorbonne par sa monumentale coupole. Dans la lignée des églises baroques, la façade présente deux rangs de colonnes superposées d'ordre corinthien et d'ordre composite, bordées à l'étage par deux volutes et ornées de quatre statues. Saint Thomas d'Aquin, Pierre Lombard, Bossuet, Gerson. L'architecture intérieure est dépouillée, en pierre nue, simplement ornée de pilastres et de moulures que viennent agrémenter des statues dans les niches du premier étage. Le décor peint se limite au tableau d'autel et à la voûte. Dans le chœur se trouve le tombeau du cardinal de Richelieu, sculpté par François Girardon en 1694, qui représente la piété et la doctrine en train de pleurer le prélat mourant.